Bonsoir. Eh ben nous voilà au départ donc de Limoges pour un vol vers Aigleton avec donc sur Patsy comme prévu avec trois appareils, Michael et Eric et puis donc moi-même un quatrième. Je dis pas où il est, on le rencontrera peut-être pendant le vol. Enfin, je sais pas. Bon, je vais allumer la radio, faire un petit essai. Charlie, remontez piste 21, alignez-vous et attendez. Depuis Charlie, on remonte piste 21, Fox bien, que Lima X attend. Bellegarde tour de Fox Golf Alpha, bravo Mike, bonsoir. Fox, bravo Mike, bonsoir monsieur, je vous reçois 5 sur 5. C'est reçu, merci pour l'essai radio. Donc je mets le moteur en route et je vous rappelle. Allez, on est parti. Essayer de mise en route. Donc on a la batterie. On éteint la radio. Clac. L'avionique reste off. Pied sur les freins. Je vais saluer dans les freins. C'est bien. Sur boss. La mixture, elle est là. Injection 5 1 cm. De Fox Alpha Romeo Mike India, bonjour. Fox Alpha Romeo Mike India, bonsoir monsieur, je vous reçois 5 sur 5. Bonsoir, Fox Alpha Romeo Mike India, c'est un C172, une personne à bord. Nous avons reçu l'information whisky, les essais moteurs sont effectués, roulage et consigne pour effectuer des tours de piste. Fox Alpha Mike India, et bien c'est pour les tours de piste, ce sera main droite piste 21. Altitude 2300 pieds, donc transpondé 70003. Piste en service 21, le QNH 10. Transpondeur 70003, tour de piste 21 main droite, Fox Alpha Romeo Mike India. Fox Mike India, c'est correct, et bien vous rappellerez prêt pour le roulage. Charlie, prêt pour le roulage. Fox India Charlie, eh bien roulez point d'attente de la piste 21 via Charlie et vous maintenez le point Charlie. On roule au point d'attente 21 et on maintient. Fox X-Retango prêt au départ. Fox X vent arrière main droite. Autorisé décollage, on rappelle vent arrière main droite, donc ce sera trop. Et donc je prépare à 119 nœuds pour la prochaine. Ça. Radio pas
Alpha Romeo Mike India, pré-roulage. Fox Alpha Mike India, eh bien roulez, point d'attente de la piste 21 via Charlie, vous êtes numéro 2, devant vous vous aurez un Cessna 182. Reçu numéro 2 de Fox Alpha Romeo Mike India. Fox India Charlie, au point d'attente Charlie. Fox India Charlie, depuis Charlie, remontez piste 21, alignez-vous et attendez. On remonte piste 21 et on attend Fox India Charlie. Limoges tour de Fox, bravo Mike. Qui a appelé la tour de Limoges ? Limoges tour de Fox, bravo Mike. Fox, bravo Mike, eh bien je vous reçois 5 sur 5. Donc Limoges tour, le Fox, bravo Golf Alpha, bravo Mike, un PA28. Deux personnes à bord avec l'information. Demande de roulage pour un vol à destination d'Aigleton. Fox, bravo Mike, destination Aigleton approuvée, ce sera une sortie sur Whisky Alpha, transpondée 70-0 unité, 7-0-0 unité, piste en service 21, le QNH est à 10, 12 unité 0, unité 2. Transpondeur 70-01, QNH 1012, je roule vers Charlie. Fox, bravo Mike, vous rappellerez prêt au roulage. Je rappellerai prêt au roulage. Fox, Romeo, India, Charlie, vous pouvez mettre le transpondeur en mode de Charlie, s'il vous plaît. Transpondeur mode Charlie. Fox, India, Charlie. Fox, Tango, vent arrière, maintien. Fox X-ray Tango allongé, le vent arrière, j'ai un départ sur la piste 21. On rallonge l'avant arrière, Fox X-ray Tango. Fox Romeo India Charlie, piste 21 autorisée au décollage, les vents 160 degrés pour 14 nœuds et vous rappellerez Vertical Whisky Alpha. Autorisé décollage, piste 21, Fox India Charlie, et on rappelle Whisky Alpha. Fox X-ray Tango, reprenez le tour de piste et vous rappelez finale piste 21. On reprend le tour de piste, on rappelle finale 21, Fox X-ray Tango. Limoges tour de Fox, bravo Mike, pré-roulage. Fox, bravo Mike, et bien roulez point d'attente de la piste 21 via Charlie et devant vous vous aurez un Cessna 172. Je roule point d'attente 21 Charlie. Fox, Mike, India, vous maintenez le point Charlie, j'ai un tour de piste qui donc fait un touch and go sur la 21. Je maintiens Fox, Alpha Romeo et India. Sierra Unité, vous pouvez rouler jusqu'au point d'attente de la piste 21 via Charlie, devant vous toujours le Cessna 172 en attente au point Charlie. C'est reçu. Je roule Charlie via le Sierra.
succès sera Tango final 21 pour une option. Fox X-Ray Tango autorisé option piste 21, les vents 160 degrés 14 nœuds. Autorisé option 21, Fox X-Ray Tango. Fox Mike India, est-ce que vous voyez le Cirrus en finale piste 21? Visuel sur le l'appareil en finale, Fox Mike India. Fox Mike India, alors derrière le Cirrus en finale, et depuis Charlie, remontez la piste 21, alignez-vous et attendez derrière. Derrière l'appareil en finale, je m'aligne. Je remonte la piste 21 et je m'aligne et j'attends Fox Mike India. Fox Romeo India Charlie, veuillez contacter Limoges Approche sur 119.2. Je vous souhaite un excellent vol et à très bientôt. Donc voilà, on passe sur 119.2. Merci pour le guidage. Bonne soirée. Donc on va remonter, on va demander une verticale. Fox, bravo Mike, maintenez Charlie. Fox, bravo Mike, je maintiens Charlie. Fox X-Ray Tango, et bien numéro 1, rappelez finale piste 21, vous allongez un peu et vous vous présentez en longue finale piste 21. On allonge un peu la vente arrière en se présentant en longue finale, Fox X-Ray Tango. Donc, en cas de panne mineure avant la rotation, on réduit. Fox Romeo Mike India, piste 21, autorisé au décollage, les vents 160 degrés pour 14 nœuds, et vous rappellerez vent arrière main droite. Autorisé au décollage, je rappelle en vent arrière main droite, Fox Romeo Mike India. Et on sort, on prévient le contrôle en cas de panne. Une heure après la rotation, on effectue un tour de piste donc en main droite, on va se présenter sur la 21, en prévient le contrôle avec un pas de panne. Bravo Mike, maintenez position, j'ai un Cirrus en retour de piste qui va arriver en finale. Je maintiens position, Fox, bravo Mike. Fox X-Ray Tango, piste 21, autorisé option, les vents 160 degrés pour 14 nœuds. Voilà, autorisé option, piste 21, Fox X-Ray Tango. Ah.
Fox, bravo Mike, qu'est-ce que vous avez la vue sur le Cirrus en finale piste 21? Fox, bravo Mike, affirme, je le vois, François Manouche. Alors, Fox, bravo Mike, derrière le Cirrus en finale piste 21, et depuis Charlie, remontez piste 21, alignez-vous et attendez derrière. Donc, derrière le Cirrus en finale, je remonterai depuis Charlie la piste 21 et j'attendrai derrière. Foxy sur Tango, finale, piste 21. Foxy sur Tango, piste 21, autorisé toucher, les vents 160 degrés, 14 nœuds. Autorisé toucher, piste 21, Foxy sur Tango. Donc on va voir 30 degrés sur la gauche. Fox, Mike India, vous allongez le vent arrière, main droite, piste 21. J'allonge le vent arrière, main droite, piste 21, Fox, Mike India. Pour tourner en base. Instant de reçu du Fox Mike India. Le vent arrière. Ok. Fox, bravo Mac. Depuis Charlie, remontez piste 21. Alignez-vous et autorisez au décollage les vents 160 degrés pour 14 nœuds. Fox, bravo Mike, autorisé roulage sur la 21, pour aligner et décoller. Bravo Mike, et bien dès que vous souhaitez, donc piste 21 autorisée au décollage, les vents 160 degrés, 14 nœuds. Et Fox, bravo Mike, je fais demi-tour à ce niveau-là. Je décolle. Fox, Mike India, vous pouvez reprendre le tour de piste et vous rappellerez finale piste 21. Je reprends le tour de piste, je rappelle la finale 21, Fox, Mike India. Foxy sur Tango, porte arrière 21. Foxy sur Tango, vous êtes numéro 2 derrière un Cessna 172 qui est en base. Maintenez séparation et vous rappellerez finale piste 21. Numéro 2 derrière un trafic, visuel sur le trafic, on rappelle finale 21. Foxy sur Tango. Fox, bravo Mike, montée initiale, demande verticale avec un virage par la gauche. Et le cap à l'arrière en poussière. Fox, bravo Mike, j'ai compris que vous souhaitez faire une verticale terrain avant de prendre Whisky Alpha. Affirme, c'est ça. Fox, bravo Mike, et bien virage à gauche approuvé, montée sur 2500 pieds. Vertical terrain. Donc vertical terrain 2500.
et Vertical Whiskey Alpha. Vertical Alpha, je rappelle Vertical Whiskey Alpha. Fox Mackinia en finale, pour un toucher. Fox Mackinia, piste 21, autorisé toucher, les vents 160 degrés pour 14 nœuds. Autorisé à toucher le Fox Mackinia. Bravo Mike, contactez Limoges Approche sur 119 décimal 200. Je vous souhaite un excellent vol et à très bientôt. Fox, bravo Mike, compteur contact sur 119 de l'approche. Bonne fin de journée, merci, au revoir. Mike, Limoges Approche, bonjour monsieur, je vous écoute. Limoges Approche, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, PA28, deux personnes à bord en provenance de vos installations, 2500 pieds, je viens de passer Whiskey Alpha pour une route donc vers Saint-Julien dans un premier temps et ensuite vers le lac de Vassivière. Il y a Lima de Copaino. Fox Bravo Mike, quelles sont vos intentions à Saint-Julien? Saint-Julien, vertical terrain et puis direction Lima Mike. Bien reçu, Fox Bravo Mike, bien poursuivez votre navigation. Fox Bravo Mike, poursuivez la navigation. Bravo Mike, je vous écoute. Approche Fox Bravo Mike pour un contact radio avec India Charlie. Oui, contact radio avec India Charlie. Alors Eric, ça se passe bien? À peu près, il y a pas mal de vent. D'accord, donc venant du sud comme prévu. De tout gérer quand on... Quand on a le trafic, les contrôleurs et tout, pour la première fois, c'est pas évident. On a plusieurs vols pour gérer tout ça. Et oui, c'est intéressant. Ah oui, tout à fait. Non, pour ça, c'est peu bien, mais bon, il y a un peu l'appréhension du premier vol et que tout se passe bien. Bon, c'est avec déjà dans les...
dans la phrase où j'ai oublié quelques trucs, bon, ça viendra. Ouais, de toute façon, pour changer, c'est tout à fait, oui. Voilà, ben là, je vais arriver sur le bord. Bon, je vais essayer de réduire déjà. Je vais essayer de passer à 110 nœuds. Approche de Fox Bravo Mike, vertical Saint-Julien, 2500 km. Fox Bravo Mike, bien reçu.
Fox Bravo Mike, je vous écoute. Donc Limoges approche Fox Bravo Mike pour une prise de route au 090 et une montée à 3200 pieds. Fox Bravo Mike, bien reçu, bien. Poursuivez votre navigation. Fox Bravo Mike, je poursuis la navigation. Mike. Voilà. Alpha Yankee Bravo, bonjour monsieur. Fox Yankee Bravo, Limoges approche, bonjour. Eh bien, donc, je vous ai pris.
Quelles sont vos intentions, s'il vous plaît? Alpha Yankee Bravo, donc appareil hélicoptère type AS-350 à Patin, en provenance d'Aigleton, en direction de Saint-Julien, et avec deux passagers à bord, donc altitude 3000 pieds, et demande autorisation de passer dans votre zone. Fox, Yankee Bravo, pas de problème. Votre transpondeur 7006, s'il vous plaît. 7006 pour le transpondeur Alpha Yankee Bravo. Donc pour Saint-Julien, vous prévoirez une verticale terrain puis une intégration vent arrière main droite de la piste 25, je vous rappelle. Je vous redonnerai les instructions tout à l'heure. Je vous recommande juste d'éviter de passer au-dessus de l'aéroport de Limoges. Actuellement, il y a du trafic, des tours de piste et tout ça. Bien copié, Alpha Yankee Bravo. Donc, sur Saint-Julien, main droite 25, en attente de vos instructions. Et nous évitons Limoges. Nous passerons donc au sud de Limoges pour éviter le trafic. Alpha Yankee Bravo. Alpha Yankee Bravo, pas de problème, à tout à l'heure. Bravo Mike, je vous écoute. Oui, bravo Mike. Pourriez-vous me donner une information de vitesse de India Charlie pour voir si je vais pouvoir le rattraper rapidement? Alors, India Charlie, pour le moment, il est à 3000 pieds, 113 nœuds en vitesse sol. 113 nœuds vitesse sol à 3000 pieds, Fox, bravo Mike. À quelle distance de moi à peu près? Synoptique est devant vous. Reçu synoptique 130. Je vais mettre un peu, je vais accélérer un peu pour essayer de rattraper. Merci. Charlie, vous quittez ma zone de contrôle, passez sur Unicom 122 décimal 800. Pour votre information, un hélicoptère en route inverse de vous-même à 4400 pieds. Bien pris l'information, on passe sur 128.8 unité 8. Fox Charlie. Fox India Charlie, 122 décimal 800. 122 décimal 800, merci.
Fox. Yankee Bravo, votre transpondeur 7006, s'il vous plaît. Transporteur 13-7006, Alpha Yankee Bravo, on a complètement oublié de le charger. Prie de m'en excuser. Ouais, pas de soucis. Fox, bravo Mike, vous quittez ma zone de contrôle, passez sur Unicom 122.800, un bon vol derrière le temps, au revoir. Bravo Mike, quitte votre fréquence, je passe sur 122.8, merci, bonne fin de journée, au revoir, à bientôt. India Charlie de Bravo Mike. Oui, bravo Mike, il est chargé. Ah là, je suis passé sur Unicom 122.8 avec toi. Ok, ça marche. Bon, t'es pas loin derrière là maintenant. Quelques nautiques encore sans doute. Je t'aperçois sur le GTN, on est à 300 pieds plus haut que moi. Ouais, alors pour info, Vassivière, il était à 2600 pieds de mémoire. Ok, mais je vais monter, je passe à 3000.
là. Ah, ou alors c'est peut-être le contrôle qui va être ici. Impossible aussi, oui. Il y aurait quelqu'un pour à la radio? Ah, pas du tout. On est autonome par contre maintenant. Ouais, je te vois là, j'ai l'impression que je te rattrape. Ouais. Ok, ben je vais essayer de m'aligner sur ta de droite à 9h. Ok. T'es 4000 pieds apparemment. Ouais, 3009. Ouais. Ok, quelle vitesse?
Oui, oui. Ah. Oui, Pascal. T'as eu, alors, Eric, oui, Eric, tu as eu un problème technique. Bah oui, P3D a planté, donc je désactive la scène de Limousin ou d'Auvergne qui est à côté. Je vais voir si ça vient d'une de ces deux scènes là. D'accord, moi c'est dommage, j'avais planté pile au moment où j'allais me mettre en formation avec toi. Bah oui, j'ai voulu le relancer et bon, ça m'a éjecté deux fois. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, peut-être. Alors, ça devrait être la proximité, mais ce serait bizarre quand même. Moi, je vais voir, là, j'ai désactivé la scène d'Auvergne et puis Limousin aussi, puis je vais voir si ça marche, quoi. Je vais me remettre à Talamy et puis je vais voir ce que ça donne. D'accord, bah là, j'y vais. Alors, soit je vais aller vers le viaduc, hein, de toute façon, ça fait 20 nautiques, ça fait 19 minutes. Ouais, une petite dizaine de minutes devant. Allez. Ouais, normalement, oui. Bon, j'ai désactivé deux scènes, donc ça va se charger plus vite. Normalement. C'est vrai qu'on se fait secouer là. Ouais, il y a du vent. Apparemment, il était secoué comme ça dans le ciel. Ah. Pascal ? Oui. Il y a donc Guy Boulanger qui est un peu plus bas qui va venir tout à l'heure. Il atterrit sur Ajaccio puis il va venir après. Voilà, ce qui est intéressant avec Guy, c'est celui qui met en place les events, en fait, etc. Donc, en fait, quand tu fais tes vols sur Vatsim, tu peux lui envoyer l'information et il te fera un bel encart, en fait, en première page sur Vatsim. Il va le mettre en avant, mais il va venir tout à l'heure vous dire ça. Ah, connaissance avec quelqu'un d'autre. Ben oui. Bon, ça se passe bien à la tour. Ah oui, le Farmy, il s'en fait à cœur joie de faire des tours de piste. Et puis, en fait, Bah, tu vois, Eric, hein, la machine, elle n'est pas assez puissante. Il y a des trucs qui l'a perdu. Il y a une espèce de lag, tu vois. Ah ouais ? De 30 à 20, voire 15. Ah ben remarque, tu me diras, oui, c'est vrai qu'on arrive. Là, je vois, il y a l'Auvergne qui est en place. Ah, mais ça, on commence à voir les monts. Oui, l'Auvergne est pas loin, ouais. Ah bah attends, la Corrèze, c'est déjà sacrément montagneux, hein. Ouais, mais là, derrière. Loin, là, après, voilà, c'est ça, t'as tous les monts du Cantal, les stations de ski du Massif Central, tout ça, là, c'est là, oui. Et oui. Ah oui, puis il y a le grand lac. Ah oui, mais c'est heureusement que c'est moi qui ai fait le grand là. Non, mais disons que l'autre fois je l'avais fait par rapport à des PEI, etc. Je m'étais pas intéressé forcément aux zones qu'on allait survoler. Pour milieu des terrains pour faire le grand et avoir on va dire un temps de vol qui soit raisonnable. Et j'ai vu le machin qui est censé. Voilà. Et je vois les gorges. Non, percute pas la montagne. Si... Non, ah, non. Ouais. Oh, je suis encore loin. Ah ouais, effectivement, Eric, là, l'Auvergne, il est en train de me tabasser en plus des turbulences. Là. Remarque, il parlait de turbulences hein, modérées à plus ou moins sévères hein, sur la FMC. Bon, j'étais 4500 là, j'ai tendance à monter tranquillement là. Bien. Alors, on va reprendre un peu de pilotage.
déjà une heure qu'on est parti. Oui. On a déjà débordé du temps de vol. Donc là, pour pouvoir repartir de Talami, je remets mon plan de vol dans... Bah maintenant, dans, oui, enfin, tu peux remettre le même, mais à la rigueur, dans la mesure où tu n'es pas dans une zone de contrôle... Ouais, mais si, c'est toujours une bonne habitude, ouais. Ouais. Ouais, comme ça, dès qu'on fait un vol, on s'entraîne à le faire. Absolument. Ok. Ah, ça y est, dis donc, il a fini de charger, là, tu le sens tout de suite. Ça se demandait si c'était la turbulence qui me secouait ou si c'était le chargement d'un. Par contre, on a plus une impression de proximité, là aussi, dans le simulateur, comme en réalité. Dès que tu montes de 500 ou 1000 pieds, dans certains cas, ça te donne une sorte de dimension. C'est pas si énorme que ça, hein, 500. Ça peut faire la différence. Voilà. Bon, pendant ce temps, il y a Yvon qui est arrivé à Saint-Julien. Décoller de Talami. Hein. D'accord. Alors attends, je fais mon virage en même temps, je peux observer. Et je te rejoins en ligne droite, il y a 6 nautiques, donc ça fait l'affaire de 3 minutes. Tu sais à quoi, t'as qu'à faire de l'auto-info sur une icône, comme ça je t'entendrai. On fera une reprise des coupes, comme ça, ça serait un avion basé avec l'école. Ok, 122.8 alors. Hein. 122.8, c'est ça. Ok. Donc pour votre info, 122.8, il est bridé volontairement à 15 nautiques de range, donc vous pouvez causer là-dessus tant que vous voulez, je vous gênerai personne. D'accord, ok. Ça marche. Alors je fais la verticale du viaduc, mais il y a un problème. Vous allez voir les ponts et chaussées pour leur signaler ce truc-là. Ok, alors c'est une route au 204. Ah, tiens, on dirait que je vois quelqu'un là-bas. Ah, ben t'as décollé, Eric. Ouais, j'ai décollé, oui. Eric, ton transpondeur en mode Charlie, s'il te plaît. Ah, oui, exact, oui. Donc, j'étais normalement 7000. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Reste sur l'autoroute là, c'est la 80. Ouais, oui, on va rencontrer. Puis on fera une belle évolution, toi tu feras un virage par ta. Tu veux faire quoi, ta droite ou ta gauche? Voilà, j'étais en train de redescendre là, ouais, sur la droite. Et donc tu fais un virage par ta droite? Ouais, je refaisais une verticale terrain. Ah, ok, là.
comme vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Sinon, vous êtes en dehors de ma zone de contrôle. Hein, donc, je vous veux pas. C'est fini. Ou alors, quand il arrivera, ça permettra d'être déjà à l'occasion. Nous avons encore un peu de temps, parce que lui, il n'est pas encore arrivé sur... Il en approche sur Ajaccio. Moi je suis à 5000. Eric, tu fais gaffe, t'es repassé en mode stand-by hein, sur ton transpondeur. Ah, bah mince. Ouais, bah, bon, c'est là, là. Fou, hein, t'es pas dans ma zone, t'as pas de contrôleur, mais juste pour ton info. D'accord, merci. C'est toi qui a demandé à l'hélicoptère tout à l'heure de cliquer un petit peu ou pas? Ou c'est lui qui m'a vu arriver et puis il s'est dit hop là, il y a un appareil donc je prends un peu de l'arbre. Excuse-moi Pascal, j'avais le. Donc ils vont là sur l'autre fréquence donc j'ai pas écouté. Oui. Oui. Ta zone. C'est toi qui lui as demandé de cliquer légèrement ou alors c'est lui qui m'a vu et... Ah non, 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 moi je lui ai dit attention au trafic et tout ça et donc du coup il a piqué direct sur vous deux. Ah, le canet. Bon allez Eric, tu commences un 360 par un virage par ta droite et moi je fais pareil. Ouais, je vire à droite. Blanc des yeux là, hop, un beurre immense. Sauf que là, allez, je suis à 4002. Vous êtes à peu près pareil là. C'est parce que les contrôleurs sur votre sim, ils ont des yeux de lynx, hein, ils voient tout. Ah ouais, la Pascal, là, t'es carrément trop haut là. Ah ouais, mais non, c'est parce que je cherchais à le mettre dans mon angle de vue. Voilà, tu vois, maintenant là, je vais fondre sur lui là. T'es un rapace. Je vais exploser. Ouais, bah, je suis déjà dans l'arc jaune, tu vois. Allez, hop, là, on réduit tout. On calme sa joie. Faut arrêter de faire des Warbirds, Eric. Oui, je m'y suis pas mis encore au Warbird, non. Ah, tu verras que le P51, il est pas mal. Hein. Ouais. Là, tu vas chercher le lac, ça. Enfin, le barrage et tout. Ouais, bah là, je sais pas trop ce que je vois parce que comme j'ai désactivé la scène, c'est pas joli, hein. Ouais, tu m'étonnes. Alors, je te propose de piquer Ruta, t'en vois, bouge pas le prochain point. Ça serait un 160 pour toi, s'il te plaît. 160, ok. Donc, comment l'hélicoptère, il s'est posé? Oui, il ravitaille. Ah, d'accord. Tu vois, Pascal, on voit tout. Non, mais c'est pas ce qu'il m'a dit, Yvon, hein, sinon je le saurais pas. Mais et t'inquiète pas, Philippe, il va redécoller pour chez toi tout à l'heure. À un moment donné, je me suis dit, ah, j'ai peut-être retourné sur Limoges, tu sais. Et après, j'ai dit non, t'as annoncé avec le ton quand même, il faut aller faire un poussé avec. C'est agréable de moins se faire tabasser là. Tout à l'heure, blablabla. Ah, tu m'étonnes. Je peux te dire qu'en réalité, on a eu de la digestion. Hein. Ressorti les sacs à vomi. Hein. Ouais. Oh, il a l'air content, Michael, à faire les tours de piste à Limoges là. Ah, il continue à faire des tours de piste. Oui. Oh l'animal. Ah bah c'est sa première session en voiture. Ah bah écoute, super. Ah non mais bien Michael.
Ah, faut pas que je dise ça, il va m'écouter sur la vidéo. Michael. Bouge-toi les oreilles, des choses à dire te concernant. Bon, t'es au-dessus d'un, de l'eau, enfin, s'il peut là, Eric. Oui. Même sur le truc de... Natif de P3D, t'as de l'eau quand même. Oui, j'ai de l'eau, mais ouais, c'est pas joli du tout, hein. Pauvre. Non, mais on va bientôt sortir de la zone. On est juste au niveau du point tournant, là. Dans 2 minutes, je pense. Et comme ça, je vais y tirer. Je sais pas ce que c'est, il y a marqué château. Voilà, ouais, il y a le château du Val, là, un peu plus loin, oui. D'ailleurs, je crois que... Ah, ben oui, tiens, ça me rappelle quand on y était. Il y avait des passages bassettes. Bon, faut en profiter, Eric, hein, il n'y a pas de contrôleur sur la zone. Ouais. Ils ont fait mine de rien entendre. Mais ils ont tout entendu. Tiens, le château, il est quelque part à droite. Ah, toi aussi, t'es là. Ouais. Le château. Alors c'est toi le poisson pilote? Ouais. Oh là, il y a un truc devant moi là, c'est quoi ça? C'est des nuages? J'espère que c'est des nuages parce que si c'est mon moteur, ça va pas aller. Si je te dis que c'est le moteur, tu dis quoi? Non, c'est pas possible. Bah écoute, j'ai jamais vu ça, mais... Ah, c'est bizarre, je vois pas de nuages par là, je regarde par la fenêtre, c'est bien, j'ai plein d'étoiles, tout ça, le ciel est parfaitement dégagé. Ça, non, moi je m'inquiéterais à ta place, Pascal. Ah ouais, je commence à me faire imposer des questions. Alors c'est qu'un thermomètre ici. J'ai jamais vu cet appareil me faire ça. C'est le A2A? D'accord. Ah non, ça y est, c'est fini. Bon, il devait y avoir une couche quelconque. Bon, alors, ça m'a assez perturbé, là. Non, non, mais ça se... Ah, mais ça y est, recommence. Alors, le château, il est quelque part en dessous de la droite. Il est même quelque part en dessous de la droite. Il est sous la ligne. Ça marche. Hop là, 204, c'est à gauche. Et il y en a pour du... Attends, donc je raconte des conneries. Ah. Ouais, c'est du 207. 207. Alors, 207... Ah oui, d'accord, on va pas, ah, on va pas sur OK, alors t'es derrière moi. Premier pied, ça doit être juste au niveau de la récupération. Moi je suis à 3006. Ah pardon. Dessous. Philippe, je vais pas tarder à te passer Fox Alpha Yankee Bravo. Yvon, là, okay. Qui va passer par Whisky et Whisky Alpha. Ok, pas de soucis, je l'accueille. Alors Eric reprend le rôle plutôt de 207. Il est en train de partir à l'extérieur. Oui, c'est vrai que je regardais pas en bas. Ah bah,
toute façon, là, t'es encore dans une zone merdeuse. Hein. Ouais, ouais. Marc, c'est bien, finalement, ça te fait faire un exercice de trajectoire, là. Tout à fait. Parce que je te chauffe sur l'école d'Ama, tu sais. Ah ouais. Oh, ce soir, je vais utiliser le terme translaté, c'est formidable, ça. Je me suis trompé tout à l'heure encore. On n'a pas l'habitude. C'est vrai. Les pilotes d'hélico, c'est quand même assez rare, hein, faut reconnaître. En tout cas, là, moi, c'est... je vais essayer de refaire, de proposer à nouveau un vol pour dans 2 semaines. Bah écoute, avec grand plaisir. On aura le temps de potasser un peu comme ça. Il y aurait des zones que vous n'avez pas ouvertes depuis longtemps que ça vous intéresserait d'ouvrir à la rigueur. Moi, ça me donne une idée de part. Je sais pas. Peut-être si en Bretagne, parce que la Philippe, il a beaucoup travaillé là sur les terrains et tout ça. Donc nous, auprès de vue contrôleur, on a des trucs qui sont superbes grâce à lui. Donc autant en profiter. D'accord. Philippe. Ouais. On peut utiliser aussi. C'est dans 15 jours, donc ce sera début janvier. Ouais. Oui. Ah ouais, pas pendant les vacances de Noël, là, s'il vous plaît. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il y aura pas mal de nouveautés également. Il y a du côté d'Albert Bray aussi. Albert Bray, ah oui. Ah bah oui. Picardie, c'est bien la Picardie. Si, si, la Picardie, c'est bien. Non, non, bah moi, c'est une idée comme ça. S'il y a un terrain en particulier qui vous intéresserait d'ouvrir, vous me dites, moi, ça me sert de point de départ ou de pied d'arrivée. Et après, bah, je fais la navigation. Tout ça. Comme ça, bah, vous êtes content d'être sur ce terrain-là. Et puis, moi, je suis content parce que j'ai pas besoin de savoir où aller. Non, c'est comme tu veux, hein. Après nous, on s'en... C'est un terrain qui vous plaît, et puis moi, bah, ça me sert de point de départ. Bah, ça, c'est Eric qui peut te dire, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. Je suis 0-2 derrière toi, 0-2 notes. Ouais. Ah, très bien en tout cas, là tu la tiens ta route, hein, c'est nickel. Pourtant, il y a du vent, hein. J'ai du vent à 20 kT au 174. Ouais, bah, il est presque de face, c'est bien. Ouais. Légère sensation. Bon, alors pour info, on passe au-dessus d'un tas de trucs. Là. On continue un tout petit peu tout droit, il y a un viaduc. Ah, mais j'ai rien moi là, j'ai plus. C'est juste pour que j'aille quand même voir le viaduc parce que le. D'accord. Là, pardon pour l'interruption, c'était juste le temps de refiler Yvon à mon camarade Philippe. Là. Mais sinon, le prochain terrain, il faut voir aussi un truc où vous avez des scènes sympas. Parce que nous on s'en fiche un petit peu hein, d'ouvrir ici ou là. Pourquoi pas hein. Parce que les scènes, on en a à peu près partout. Ouais, on en a pas mal. Hein. Eh ben, voilà. Donc on n'aura pas de problème pour trouver un terrain d'entente, je crois. Ok, bon, on arrive à la verticale du viaduc, je sais pas quoi. Chaka, Chabouki, ça me dit rien, sûr. Mais bon, ça c'est le fin fond de la Corrèze, je connais pas trop. Hein, par là. Où on dit qu'avec le temps, les corbeaux ils volent sur le dos parce que c'est tellement affreux en bas. Là. Ok Eric, le suivant, ça sera du 2-9-8. Je peux prendre des appels. 13 nautiques, ça sera avec le temps à la position.
140. Eric, t'es à 140? Ouais. Ah bah, faudrait que tu passes à 109, Eric. Sinon, t'es une fusée qui arrive sur le terrain. Et comme en plus on va se poser, on arrive dans le bon axe pour faire ton demi-tour vente arrière. Ah, c'est bon, il ralentit là. Ah, je vous entends pas. Non, mais il est occupé à faire son approche, peut-être. Ouais. J'essaye de le perturber. C'est ballot quand même. C'est-à-dire qu'en fait j'avais étudié Ussel Aigleton. Et quand tu fais Ussel Aigleton, ligne directe, tu tombes vite dans l'axe 25. Ah. Donc c'est pour peu que t'aies le banc qui vienne en face, t'as qu'à faire ton tour, t'es en vente arrière. Et, ouais, hop, et là on arrive perpendiculaire. J'en ai un, ça fait trois fois qu'il vient sur la tour, mais il se déconnecte quand il voit que c'est encore connecté. Bah oui. C'est ça. Ah, puis là, il n'a pas de peau, hein. Il y a deux contrôleurs sur Limoges, il n'a jamais vu ça. 30 ans qu'il fait ce métier, jamais vu une chose pareille. Ah, un avion de passage. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est un gag classique, nous, ça nous fait beaucoup rire quand on voit ça. La chasse. Ah, j'ai bien réduit là, je suis à 80. Très bien ça. Bon, ben, c'est parfait, 80, t'arrives pas trop vite. Bon, par parenthèse, les gars, je vous signale, en temps normal, on vous laisserait jamais faire une chose pareille. Hein. Ah bon, c'est-à-dire? Oh bah, ben, vous êtes beaucoup trop près là. Ah, ah oui. On demande un vol en formation, on a le droit. Oui, tout à fait. T'avais été là, j'aurais demandé un vol en formation. On a fait l'autre fois d'ailleurs avec Philippe, tu te rappelles quand tu étais à Caen. Affirmatif. J'étais parti de Caen, il y a Dominique, lui, que je sais pas si t'as vu la vidéo. Ah, Eric, j'ai. Et donc il m'a rejoint finalement. Il y a un Guy qui est arrivé. 182, moi. Bonsoir, messieurs. Salut, Guy. Ouais, Guy Blanchet, salut. Bonsoir. Alors, Guy, ouais, je voulais que tu sois là parce que Pascal organise des vols VFR une à deux fois par mois. Et donc, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une information voilà, sur la scène, que ça fasse venir pas mal de monde. Attends, excuse-moi juste une seconde, j'ai eu la radio qui s'est remise en route de l'autre côté. Attends, deux secondes. J'ai rien entendu. Donc, tiens, Philippe, il faudra lui dire que là, j'enregistre.
enregistre le vol et qu'on sera, il sera mis en live, enfin sur la chaîne YouTube. Juste pour que... Ah bah tu vas lui dire, il est là. Ah t'es là. Ouais, je suis pas parti, je ferme mon truc là. Qui libère l'hôtesse. Philippe, j'ai entendu dire ça. Voilà, ça devrait être bon, on devrait être tranquille 2 minutes. On a un château juste devant nous. Oui, que j'ai pas. Alors, excuse-moi Philippe de t'avoir interrompu. Oui, je disais en fait, Pascal va organiser une à deux fois par mois en fait des vols VFR sur Vatim. Donc, bah, je pensais que ce serait intéressant que vous puissiez communiquer tous les deux pour que ce soit annoncé assez intéressant. Eh ben oui, et c'est très bien, ça, c'est une très très bonne idée. Parfait. Donc je laisse Pascal expliquer. Ouais, alors par contre, okay. On est juste à 30 secondes ou une minute de la verticale des gletons, donc on va se poser. Et pendant que je filme Eric en train de se poser, je te raconte. Bah, j'essaye de filmer Eric en train de se poser. Ouais, ouais, chaque chose en son temps, posez-vous. Ouais. On va essayer. C'est toujours amusant de faire. Pourquoi que non, je vais faire un peu. Est-ce que tu ne sais pas que c'est ce que tu ne sais pas, Guy, c'est que ce soir, en fait, le vol de Pascal est donc retransmis en live. Alors non, je ne suis pas retransmis en live pour éviter de charger la machine, mais je l'enregistre et après je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Allez, Eric, on t'écoute, c'est toi à la verticale, fais l'auto-info, moi je te suis. Fox Media Charlie, verticale des installations pour un tour de piste main droite et un complet sur la 07. Okay, Fox India Charlie. Donc ben, je te suis. Enfin, j'essaye. Ouh, le plongeon. La vache. Impressionnant. Oh, le spectacle est assuré là. Ouais. Ben, si j'arrive à être ton ombre, j'aurai ton tracé de l'intérieur de tour de piste, etc. Ça fait 3/4 d'heure là sur celui-ci. Bonjour messieurs de Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Ah, le 182. Salut Bernard. Salut Eric. Pour info à Bernard, je filme le vol et je le mettrai sur la chaîne YouTube. Ok. Yes. Et ta chaîne, c'est quoi, Pascal, avec ton nom ou... Du tout, c'est Aéro Mont Bleu. Ok. Bon, voilà. Là, j'ai pas un AirProx après la diffusion. Tu vas où, Eric, en fait ? Fox India Charlie, on vient en base. Ah, d'accord. Bon, je suis juste sous toi. Ah, il me cherchait. Et là, moi, je suis passé juste en dessous. Ah oui, non, je me plante, non, non, oh là, ouais. Ah bah c'est comme tu veux.
Non, d'après la voie et d'après le vent, c'est sur l'aviron 7. Ouais, non, il faut que. Que je revienne. Guy, t'as un problème avec la com? Ah bon? Je sais pas, je te vois allumé permanent. Là. Tu dois avoir un. Où ça? Sur TeamSpeak, tu dois avoir un truc. Ah, c'est étonnant. Communication ça. Permanente. Mais non, non, mais là, ça s'est désenclenché, c'est tout bon. D'accord. Bon, messieurs, ça s'est bien passé pour tout le monde? En train de se passer pour l'atterrissage. Ah, vous n'êtes pas encore. D'accord. Donc c'est un 07 main droite, tour de piste 2700. Ok. Là, j'ai remonté. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu toute la puissance. Messieurs, bonne fin de soirée, à très bientôt. Salut Gilles, bonne soirée à toi. Salut. Bonne soirée. Salut Gilles. Bon, alors sans nœud, ça ira pour le moment. Donc devant toi, à ta droite, tu as l'aigleton. L'aérodrome il sera sur les avants, à ta droite. Donc si tu vas sur la ville, c'est que tu l'as dépassé. Aigle tombe de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Aigle tombe Fox Bravo Mike. Un PA28 éteint 182 en approche pour une prise de vent arrière directe. Et un posé un complet sur la 07. 2700. Vent arrière éloigné. Ouais, sur la droite. Ah si, ça y est. Aigleton, Fox, Bravo Mike, visuel sur le terrain. Pour 2700 pieds, début de vent arrière. Nous sommes à environ presque un bon nautique sur la station. Bon, alors si j'annonce la vent arrière, il va peut-être falloir que je mette un cran de côté. Je réduise bien la vitesse. Ouais, fais les choses bien, hein, qu'on soit pas embêté. Hein. Ouais, toujours. À 89 2700 pieds. Ok, ah bah non, ça y est, c'est bon, j'ai le terrain au bout d'elle, on n'est pas si loin que ça, Eric. Ok. Bernard, je me suis bloqué sur Orly. Ok, moi j'ai pris l'approche de Paris. S'il y a besoin, je me muterai sur une autre position. Bon, ici, il y a de la place pour renvoyer. Tu viens en base. À 2700 pieds, c'est pas bien. Je bravo Mike derrière. Je suis carrément au sud.
monter en finale alors. En finale ou monter initial ou sur la piste? Non mais je suis en fait sur la branche opposée à l'avant arrière pour m'éloigner du terrain. Parce que je vois qu'Eric a remis, était dans l'axe, il a remis les gaz. Donc je vais voir le vide pour me laisser la main sur la piste. Ah ça y est, t'as fini les tours, Michael? Ouais, j'ai fini les tours de piste. J'ai commencé en C172 et puis j'ai continué en DR400 après. J'ai fait que du tour de piste. Ouais. Ouais, c'est ce que me disait Philippe là. C'était bon là, apparemment. Ah, mais c'est un bon exercice de mania. Ah ouais, c'est pas moi qui te dirais le contraire. Et plus tard, il y aura des PTE, des PTU, des basseteurs en plus. Mais le fondamental, c'est le tour de piste. Il y a encore des progrès en maintien d'altitude à faire et ça, ça viendra. Oui, bah oui. Je vous rejoins sur une tonne sur un parking pour vous observer. Okay. Vas-y, prends des photos, prends des photos. Avec le temps, Fox, bravo Mike, début de vente arrière, point complet sur la 07 en main droite. Bon, alors là, cette fois, je conviens à la pompe. Philippe, il y a le novembre 253 là, qui a communiqué en texte, il a essayé de nous appeler, mais je pense qu'il doit... J'ai vaguement le sentiment qu'il n'a pas le ce qu'il faut pour le nouveau système audio pour votre SIM. Oui, il m'a envoyé le truc, mais bon là, je le vois plus sur le tarmac, en fait, j'ai quitté. Non, là, il vient de déconnecter, là. Oui, il m'avait fait aussi le même truc, mais... Pas 17 FPS. 82, c'est bien. Bon, pinel.
Fox, bravo Mike, au parking, qui est parfaitement sans voix. Bonne journée, bon vol à tous. Fin de ce vol Vatsim, et on retrouve donc le beau 182 de Eric, et peut-être, non, c'est pas Michael là-bas, et on découvre l'aérodrome d'Aigleton modélisé, comment ça s'appelle, sur la scène d'Occitania, travail de mousse, seul mousse, trop si beau. Et voilà, terminé pour ce vol. À la prochaine fois, d'ici environ 2 semaines en principe. Bye bye, en espérant que ça vous a plu.